Et bonjour et bienvenue sur l'Agata TV pour cet épisode 2 de Halo the Master Chief Collection sur l'épisode Reach. Et sans plus tarder, on va commencer en reprenant où on en était. Je tourne cette vidéo à la suite de la première, donc c'est pour ça qu'il y avait l'écran de pause afin d'avoir la cinématique au complet. Donc on a réussi à récupérer en partie le relais dans l'épisode 1 et maintenant on va voir la suite. Alerte, Kilo 3-3 et Kilo 3-4. Votre zone d'atterrissage actuelle est non sécurisée. Bien reçu. Dot, stand-by pour mise à jour. Oui, commandant. Coordonnées reçues. Correction de trajectoire immédiate. La base forte de l'ONI est actuellement assiégée par un bâtiment Covenant de classe Corvette. La nature hautement stratégique du complexe interdit provisoirement le recours aux frappes orbitales. J'ai tenté sans succès de réunir des données précises sur les troupes ennemies, mais nos forces défensives sont clairement dépassées. L'ONI ordonne que l'équipe Noble intervienne pour sécuriser la base Sword. Ok, soldat. Pour l'instant, on est coincé avec ce ratio. L'objectif, c'est l'infanterie ennemie. Allons donner un coup de main à nos gars. 4, 6, c'est à vous. George, Emile, ensuite c'est à vous. On se bouge, lieutenant. Allez, c'est parti pour sécuriser la base. 4, 6, repoussez ceux qui attaquent la base Sword. Je veux savoir ce que c'est. Reçu, nous serons votre force de frappe. Allez, vous, dans vos rêves. Spartan, ennemi au nord. 6, on va faire un massacre. Oh ouais, on va faire un massacre. Mais bon, pour l'instant, c'est moi qui est en train de prendre cher. Allez, on va essayer de les avoir avec la grenade. C'était un peu trop loin. Pour eux, faut viser la main. Oups, désolé. Hop là, toi, je vais t'avoir au corps à corps. Allez, on se protège. On va essayer d'avoir les gros en premier vu que c'est les plus galères à avoir. Hop là. On va se mettre à couvert. Ah, j'ai plus beaucoup de munitions sur cette arme là. Hop là. Hop. On peut même récupérer les armes des autres. C'est plutôt bien. Frappez vite et frappez fort. Oh, le petit sniper. Ouh, les dégâts. J'apprécie. Avec ce petit viseur qui permet de voir les déplacements en temps réel, c'est plutôt bien. Oui, ils sont bien galères parce qu'ils sont assez rapides, ils bougent dans tous les sens. Noble 2 pour contrôle Sword. Cours dégagé. Terminé. Gagnez la porte centrale à l'est. Je vous brief en chemin. Contrôle Sword. Je vois un détecteur de cible. Vous avez de l'artillerie dans cette zone? On va prendre ça. On va en avoir besoin juste après. Et lui, on va le viser. Et ça risque de bien péter. Ouh. 6, servez-vous du détecteur sur l'apparition.
Hop là, ça c'est fait. Ah, je ne peux plus récupérer mon arme. C'était pas prévu. Y a pas moyen là, y a pas une arme qui traîne. Y a pas une arme qui traîne. Et j'ai pas moyen de retourner dedans. Ce n'est pas grave. Ah, un petit pélican. J'adore ces vaisseaux là. Bon bah, ça, on va le remplacer par cela. Et c'est parti. Bon, je parie que je prends le pélican. Je vais pas le pélican, le Warthog. Allez, avec 4, on y va. Allez, hop. La com à l'est, c'est parti. Je suis d'accord, d'abord on tire. Je capte une source électrique, on n'est pas loin de la tourelle. 4, je te laisse conduire, moi je prends ce petit joujou là. Vous allez quand même pas venir à pied? Non. Allez hop. C'est parti. Ce petit mouvement technique, c'était pas prévu. Voilà la tourelle. Allez, on les bombarde. Pas de pitié. Là, par là, je peux pas y accéder. On va rentrer par là. Hop, toi, je t'ai eu. C'était un peu tendu de faire ça. Le commutateur, il est là. Ça. Je vais l'échanger avec cette arme là. C'est bien, 6. Tourelle activée. Comme ça, eux ils vont se faire dégommer. Hop. Il a pas dû apprécier ce petit coup là. Hop là. Là dedans, qu'est-ce qu'il y a? Bien joué, Spartan. Il y a un sniper, mais est-ce que ça vaut le coup? Spartan, ici Control Sword. Je vous envoie des renforts mobiles. Allez, on va prendre le deuxième Warthog. Bon, vous suivez bien, j'espère. Allez, on dérape. Bon, attention. Bascule. Allez, vas-y, remonte. Ah, même eux, ils peuvent prendre ces trucs-là. Du travail d'artiste. Ouais, mais maintenant, Kat, elle est toute seule. On aimerait arriver en vie. Monte avec moi, Kat. Allez, viens. Okay.
Toi, tu te balades sans personne derrière. Voilà. J'espère que le générateur de la com fonctionne. Oula, oula, oula. Nous allons localiser ce générateur. Ils arrivent. Comptez pas sur moi pour vous rendre la vie plus facile. Ah purée, il veut pas me laisser. Et je vais bientôt mourir si je me reprends encore un coup. Ah, il est mort. C'est pas l'appareil qui est cassé, j'espère. Excellent. Ah, où est-ce qu'il me tire dessus? Bon allez, on rentre dans le tas, fini de faire mes muses. D'autres ennemis. Le gros, c'est bon. Ah, oh, je l'ai vu dans le coin arriver avec ses grenades. À l'enflure. L'enflure, l'enflure, l'enflure. Dégage, on va voir. Toi, tu m'as bien énervé tout à l'heure. Où est-ce qu'il est? Ouh, c'est un gros. Hop là, ils me font courir dans tous les sens. Et on active ça. On reprend la vie. Ok, générateur OP. Trouvez le module de com. Il est sans doute en hauteur. On va aller au module de communication. Avant qu'ils arrivent sur moi. Hop. Il me tire dessus. Hop là, module de communication. Vous avez réussi. Le module fonctionne. Hop là, lui, c'est fait. Ouf, où est-ce qu'il est? Inter Noble, ici Leader Noble. Rentrez tout de suite à la base Sword. On y va, commandant. 6, allez. Mais... Attends-moi. Attends-moi, qu'est-ce que tu fais? Rentrez à la base Sword. Le reste de votre équipe y sera sous peu. Vas-y, maintenant tu peux y aller. Qu'est-ce que vous faites là? Allez, allez. Bon, bah, qu'est-ce que tu fais, Kat? T'y vas? Allez. Ah, décidément. Bon, tu permets. Descends de là.
Monte derrière. Hop. Noble, attention. Corvette Covenant mobile vers position. 4, 6. Venez vite. On se retrouve dedans. On arrive, on arrive, on est en chemin. Allez. Ouf. C'est un peu le gros bordel. Voilà. Il a essayé de me foncer dessus, l'enflure. Cible en vue. Allez, on active ça. On arrive, on arrive. Nous ouvrons la porte. Donc là, on récupère tout ce qu'il y a à récupérer. Donc là, hop. On recharge et on refait le plein. Lui, il a volé. Toi, reste couché. Et on fonce dans le tas. Oh, la tête qu'ils ont, ils sont horribles. Kat, tu suis quand même. Lui, il s'est fait péter tout seul. Ok. On arrive, les copains, on arrive. Toi, tu vas pas fuir. Reviens ici. Hop là, voilà, lui, j'ai eu du mal, mais au moins je l'ai eu. Oula, il y a du gros monstre. Il y a du gros monstre, il y a du gros monstre. Bon, allez. Bon, allez. Ouf. L'autre, il a tiré sur son coéquipier. J'ai pris quand même sacrément de dégâts. Wouah. Eux, ils sont vraiment raides à tuer. Et de 1. On va réussir à les avoir quand même. Je suis en position. Je sais qu'ils ont une partie vulnérable au niveau du dos. Hop là.
Ça c'est fait. Ascenseur, lieutenant, prenez-le. Allez, c'est parti. Vous vouliez me dire quelque chose? Ah, atterrissage corsé. Où est le renfort? Qu'est-ce que tu nous fais là? Les quatre plateformes prévues pour okay. Te dégommer d'un seul coup de canon. Merci. Mais d'abord, de la vie. Mais me pousse pas! Ça m'étonnerait qu'il se presse. Prenez le contrôle de la zone! Par contre, j'ai plus de munitions pour ce flingue-là. Je vous couvre. On y va. Allez, on y va à fond. Hop là. On est là les copains, on est là. Allez. 6, montez, prêtez main forte à Emile. George, veillez sur lui. Comptez sur moi. Allez, on va prendre leur arme. Parce que sinon... Par ici, je crois qu'il y en avait. Non, il n'y en a pas. Bon, on va passer par là. Allez, on va continuer. Hop, on continue. Lui il est mieux. Ok, il y a un truc qui a volé là, je ne sais pas ce que c'est. Toi, tu vas pas nous faire péter avec toi. Ok, il arrête pas de venir et de repartir. Allez, vas-y, remontre ta petite tête. Où est-ce qu'il est? Il est plus là. Il est plus là, il est plus là. Allez, on continue. On continue, on continue. Ah, il est là. Alors, sans bouclier, tu fais plus rien, hein. Commandant, la base ne supportera pas une nouvelle salve de cette corvette. Flinguez ces banshees. En haut, lieutenant, je veux ces longues swords dans les airs. Oula, là, il y a un lance-roquette. Toi, t'as beau tirer, mais tu tires dans le mur. T'es en train de me faire avoir par une banshee. C'est horrible. Tu vas voir. Hop là. Ça, c'est fait.
Mince, je tire à côté. J'ai plus de munitions. On récupère des munitions. Mouvement ennemi détecté. Cible supprimée. Du bon boulot de Spartan, 6. De rien, de rien. Hop là. Et voilà. Magnifique, pas vrai? Ça mériterait une photo. Bien joué, au fait. C'est un plaisir. 5, 6, dirigez-vous vers l'aile scientifique. Le docteur Halsey veut un débrief et le QG nous met à sa disposition. J'ai bien entendu. Halsey, vous dites? Exact. Mobile vers position. La bonne blague. J'étais à sa botte la moitié de ma vie. J'ai réclamé votre aide, commandant, et je n'ai que faire d'un rapport sur des événements survenus sous mes yeux. Ce qu'il me faut, c'est un bilan détaillé de votre dernier engagement. George, ça fait un bail. Madame. Qu'as-tu fait avec mon armure? Je l'ai améliorée, rien de plus. Je vois. Le relais de Visegrad. Son central de données abritait l'un de mes xéno-archéologues, le professeur Laszlo Sorvad. Peut-être pourriez-vous élucider sa mort. S'il s'agit d'un civil d'une soixantaine d'années, il est mort perforé par une épée à énergie covenante. Des élites. Ils nous ont attaqués, nous aussi. Juste après qu'on a trouvé la fille de votre xéno-machin, madame. Elle se cachait dans... Peu importe. Dites-moi plus sur les élites. Ils étaient trois, de classe dévots. On en a buté un, le leader à vue de nez. Des dévots. Vous êtes sûr? Leur config d'armure correspondait. Leur bouclier idem. J'ai donné l'ordre d'abandonner la poursuite. Notre premier objectif est de réactiver le relais. Votre premier objectif? Vous êtes un Spartan ou un vulgaire pantin? Dame. Certains à l'ONI, moi y comprise, soupçonnent les Covenants de déployer des escouades d'élite pour retrouver plusieurs de leurs artefacts religieux. Les rapports indiquent que ces détachements sont toujours réduits, rapides, et presque toujours composés de dévots. Nul doute que l'abondance des données archéologiques les a attirés ici, et vous les avez laissés fuir. Nos ordres n'ont jamais stipulé de retrouver des données. Et d'ailleurs, nous avions des priorités plus urgentes. Comme donner l'alerte. La dernière archive consignée par le professeur Sorvad mentionne la découverte de données cruciales. Il n'aurait jamais employé ce terme à la légère. Espérons seulement que le module dérobé par votre officier renferme ces données. Kat ? J'ai été alerté dès que vous avez tenté d'accéder à son contenu. C'est la procédure standard pour toute intrusion. Ces données sont hautement classifiées. Votre curiosité pourrait vous expédier au trou. Vous la suivriez de près. Je vous demande pardon. La planète est sous le coup d'une procédure d'urgence. Nom de code, Winter Contingency. Vous savez sans doute ce qu'encourent les civils qui entravent une opération spartane. C'est une menace, commandant. Un conseil d'amis, madame, rien de plus. Escouade, on décolle. Décidément, elle, je ne l'aime pas trop. Madame. Ce sera tout, George. Je ne l'aime pas, je ne l'aime pas. Allez, on va suivre avec la troisième mission. Ça fera un épisode un peu plus long.
Escouade Bravo au rapport. 3 et 6 en position. Ça commence à barder sérieusement par ici, Kat. Alors on y va. Signalez toute structure ou dispositif Covenant. Probabilité d'engagement direct. Bien reçu. C'est haut. Quand Kat a le dernier mot, ça se termine toujours comme ça. Tenez, ça vous sera utile. Des balles perforantes haute vélocité. Elles dérouilleraient un élite à 2 bornes de distance du premier choix. On reste en contact. D'accord, c'était moi qui étais juste devant. Ah, avec le petit sniper. Recon, bravo. Ce secteur est protégé contre la surveillance électronique. Les Covenants peuvent bloquer notre matos ? On dirait bien. Et le commandant veut savoir ce qu'il cache. Elite, c'est pour vous. En douceur. Hop là. Là, ils dorment tous. Allez, on va le faire en mode furtif. Sachant que la première fois que je l'ai fait en mode gros bourrin. Ça va me faire une économie au niveau de mes balles. Allez, on va descendre là. On y va sans faire de bruit. Et de 1. Et de 2. Et de 3. Donc là, ils ont leur rack avec leur petite arme. Tiens, en parlant de ça. Oh mince! Monsieur. Oh le fail! Tant pis. C'est vrai que j'ai changé les touches. Bon, tant pis, ce n'est pas grave. En attente pour rapport de contact. En attente de réception à vous. Je vois plusieurs ennemis en train de se balader dans une installation. Est-ce que toi t'es ouvert ? Négatif. Trop petite et toi t'es pas ouvert. Tant pis. Ah. C'est compris, 6. Laissez tomber. Mince. Hop là. Il n'y avait pas des gros calibres normalement ? Bon allez, hop, hop là, et de 1, et de 2, et de 3. Allez, c'est celui-là qu'on dégomme le plus. Oh, j'adore le snipe. Ah, il doit y avoir des renforts. Voilà, on se fait tirer dessus. On est caché par un arbre, on nous voit pas, tant mieux. On élimine les gros de préférence. Toi, je te vois. Hop là. Donc là, il y a ceux avec les boucliers, on vise l'arme. Et on recharge. Et on y va. J'ai foiré mon coup. On change d'arme. C'est même très rare que je fasse ça en mode furtif. Enfin là, c'est plus trop furtif vu que je tire dans le tas. Hop là. Allez. On va faire un petit tour de chariot.
Ah, excellent. Je vois même pas pourquoi on peut prendre le chariot, mais bon. Allez, on va continuer. Est-ce qu'il y a quelque chose là-dedans? Non. Je vous laisse la vision nocturne pour que vous puissiez voir un minimum. Personnellement, moi sur mon écran, je vois parfaitement bien, mais voilà, on ne sait jamais. Je ne voudrais pas que vous ne voyiez rien. Allez, on continue, on va monter à l'étage. Oula. Ah, des cibles. Apparemment. Ok, on fait pas ça. En silence, on fonce dans le tas. C'est moi qui l'ai esquivé. Ouais, il avait plus de munitions. Un petit carnage gratuit. C'est cadeau. On récupère de la vie. On monte à l'étage. Et on utilise leur arme. Bon. Hop. On l'enlève de son emplacement. Allez, on continue. Ouais, va falloir vraiment prendre cette arme là parce qu'après il y a des deux petits monstres qui ne sont plus vraiment de la même taille. Où est-ce qu'ils sont? Regardez-moi ces gros bestiaux. Allez, hop. Hop là. Croyez-moi, quand je l'ai fait avec les armes de base, c'était un peu compliqué. Celui qui m'a tiré dessus. Donc c'était des Keta. Six, il y a une piste en haut par les rochers. On va la suivre. Donc soit on passe par là, soit on passe par là. Moi personnellement, je passe par là. Magnum, sécurité à l'épaule. Allez. Quand est-ce que tu t'arrêtes de bouger, toi? Loupé. L'angle 2, on est dans une sorte de station-service. Hop, hop là. Ils tirent sur l'ennemi. Aidez-les. Ils ont peut-être des infos pour nous. Compris, 6, ces civils doivent rester en vie. Du soutien! Ces fumiers déboulent en masse! Ah, toi je t'ai loupé. Toi je t'ai eu. Je serai votre ombre. Ah, on a récupéré des munitions. Hop. Toi c'est ça. Essaye de fuir. Ouh, lui je l'ai eu dans le dos. Je crois qu'on les a tous eus. On y va. Sans rire, on va se leur massacrer.
Mais non, on va pas se faire massacrer. Vous êtes avec nous. Donc ça c'est quoi? Ok. Hop là. Là j'ai récupéré des munitions. Par où est-ce qu'ils sont? D'habitude c'est quand même plus calme. Voir les Spartans au combat c'est quelque chose. Qu'est-ce que vous faites là? La zone est censée avoir été évacuée. On pouvait pas laisser des étrangers protéger nos maisons. Donc on est là. Pour ça. On a planqué des armes sur tout le territoire. Vous savez qu'elles sont volées. Bah quoi, vous allez m'arrêter? Non. Juste vous les reprendre. Un autre transporteur en vue. Hop là, lui je l'ai eu. Ah, me fait tirer dessus par le vaisseau. Oula, oula. Un petit nosque. Ah, maintenant ils arrivent de par là-bas. Je vais me cacher là parce que sinon... Voilà. Je me fais tirer dessus par ce putain de vaisseau. Aïe. Où est-ce que t'es passé? Montre-toi. Loupé. Arrête de te cacher. Arrête de jouer à cache-cache. Bon là il reste que des petits. On peut y aller à fond. En mode gros bourrin. Voilà. On fait attention à sa vie aussi. Je n'ai plus beaucoup de vie. Par là, on ira après. Là, je contourne pour éviter le vaisseau. Parce que là, personnellement, si je me prends une balle, il y a de fortes chances que je meure. Là, une munition sur celui-là. Ouais. Ah non, toi, décidément, tu tombes mal. J'ai plus de vie. Maintenant, j'ai de la vie. Donc là, c'est pour récupérer du fusil à pompe, mais ça ne m'intéresse pas. Vous les avez tous eu? Nickel. Ça va à une centrale hydroélectrique, mais la porte ne marche pas. Il y a une autre route? Par le lit de la rivière. Planque des rations, des armes. Donc en gros, tout ce que l'UNSC considère comme de la contrebande. En gros, ouais. Faites voir. Allez, on vous suit, chef. Non, parce que si je désactive... Voilà, ça fait un peu sombre. Où mène le lit de la rivière? Droit à la centrale. La digue date de 45 ans.
Ça fournit toutes les colonies du territoire en électricité. Ce serait dommage de l'abattre. On fait de notre mieux. Halt, transporteur Covenant, à couvert. C'est bon, on se bouge. Kat, tu vois ce que je vois ? Une structure Covenant comme un gros pylône, et lourdement blindé. C'est la source de notre zone d'ombre. Ok, on va la modifier. Négatif. Placer une charge pour exploser le pylône à distance. Le commandement prévoit un gros truc, mais à l'aube. On va l'exploser. Allez. On nettoie la zone. On va faire ça en mode ninja. Couvrir, ne vous gênez pas. Bon bah ça sera pas en mode ninja. Ouais, mon gros, je vais t'avoir. Hop là, arrête de bouger. T'en as un qui est là-bas aussi. Hop là. Toi, couché. Hop là. Oulé. Allez, on a nettoyé la zone. J'aurais voulu le faire en mode ninja, mais je me suis un peu foiré. Oula, oula. Ça, c'est pas bon. Allez, lui, il faut l'exterminer avant qu'il tire. Oh là là, c'est des gros. Bon allez, pas le choix, faut les bombarder. Ouh. Celui-là, je me le suis pris en pleine poire, c'était magnifique. Allez, je vous attends de pied ferme. Ouh, j'ai sauté en plein dessus. Aïe, 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 aïe. Décidément. Décidément, décidément, décidément. Allez, cette fois, c'est la bonne. On va les avoir. Si je vois leur rouler dessus avec le chariot élévateur, je le ferai.
Bah toi, on va t'empêcher de tirer. Loupé. Bon. Pas si loupé que ça, mais bon. On va se protéger avec ça. On va rester derrière. Hop là. Bon, allez. On va récupérer ce petit truc là. Et voilà. Recon Bravo pour Noble 2, charge en place. C'était un peu compliqué, mais bon. Collé dans le générateur du pylône. Parfait. Avancez dans la zone d'ombre. Le commandement veut savoir ce que les Covenants y planquent. Il y a une porte au sud-est de la centrale. Reçu. Je vous envoie tout de suite les codes de sécurité. Allez, on y go, on y go. Allez, June, tu nous ça. C'est bon, je les ai. Je déverrouille la porte. Recon, bravo. Vous avancez maintenant dans la zone d'ombre. Bien reçu. Fantôme, un peu de... Dans la zone d'ombre. Allez, hop, hop. Vas-y, toi, penche-toi. Hop là. Allez. Oh, lui, il a volé. C'est tendu, c'est tendu. Allez, on passe par là. Là, c'est risqué ce que je fais. Je suis en train de foncer dans le tas. Olé. Il y en a un autre là. Oh, toi, je t'avais pas vu. Hop là. Hors des questions que tu me fasses exploser en mode kamikaze. Ça sera au premier qui fera exploser l'autre. Hop là, au moins comme ça, je suis sûr qu'on est tranquille. Non, c'est pas ça que je voulais faire. De toute façon, je suis pas prêt de m'arrêter, je suis bien parti pour. Oh, il y en a encore par là. Allez, on continue. On extermine tout ce qui passe. Hop là. Donc maintenant, où est-ce qu'on va? Par là? Non. Qu'est-ce que vous attendez?
C'est par là qu'il faut aller? Ah ouais. Et normalement, ça va être tout pour cette vidéo. La dernière petite cinématique. Jackpot. Transmission visuelle. Tu vois ça, Kat? Confirmé. Contact relayé par Noble 3 et 6. Groupe d'assaut Covenant en visuel. C'est plus qu'un groupe d'assaut. C'est une armée d'invasion. Si on veut s'en sortir, va falloir qu'on s'active. Affirmatif. À toutes les unités Recon, repliez-vous. Le soleil s'élève dans quelques heures. Et la journée s'annonce agitée. Et voilà, ça va être tout pour ces deux missions suivantes. Donc j'espère que cet épisode 2 sur Halo Reach dans la collection Master Chief Collection vous a plu. Et je vous dis à la prochaine pour l'épisode 3 sur Halo. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à laisser un pouce bleu ou un pouce rouge avec la raison dans les commentaires. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne et activer toutes les notifications pour recevoir le point sur nos sorties vidéo. N'hésite pas à aller voir dans la description nos liens vers nos différents réseaux sociaux, donc Facebook, Twitter et Snapchat, ainsi que notre site web. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.